Il n'y a pas de nation sans une justice. Une bonne justice relève la nation, ça c'est biblique. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce numéro d'Entre les lignes. Nous allons parler de l'appareil judiciaire de la République démocratique du Congo. Sommes-nous dans un état de droit? Quels sont les critères? Quels sont les piliers qui soutiennent l'état de droit? Mesdames et messieurs, comme vous le savez, le chef de l'État vient de faire plus de 3 ans à la tête de l'État. On va essayer de faire un peu un bilan à mi-parcours de ses actions à la tête du pays. Est-il en train de bien gérer? Quelles sont ses failles? Quels sont ses points forts? Où est-ce qu'il doit corriger? On va voir ça avec un spécialiste du droit. Il est aussi président d'un parti politique, un courant politique, un jeune courant politique, mais qui s'incarne déjà dans l'arène politique. Maître Justin Moingi, bonjour. Merci de reprendre notre invitation. Bonjour Dan, merci à vous, merci à Congobeuse d'avoir pensé à nous pour la prestance de ce jour. Bien habillé comme d'habitude. Je vous en prie, c'est pareil comme pour vous. Maître Ghislain Mwangi, 3 ans après l'arrivée de Tshisekedi, comment trouvez-vous la justice avant Kabila, pendant Kabila plutôt, et après Kabila? Écoutez, cette question semble très directe, mais je pense qu'il faudrait qu'on rentre d'abord aux repères, parce que la justice, elle a des repères, et les repères sont les règles qui organisent donc la société, commençant par la loi fondamentale et passant par les autres règles, notamment. Et je pense qu'une étude comparative peut être faite, bien évidemment, pour regarder la période des 18 ans de Joseph Kabila, ou carrément considérer les 2 quinquennats de Joseph Kabila pour des mandats électifs, et ensuite comparer aujourd'hui l'évolution, ou carrément faire un état des lieux avec les 3 années déjà que nous avons parcouru avec le président Tshisekedi. Alors, pour revenir au fondamental, revenir au repère, il faudrait d'abord qu'on sache comprendre. Nous parlons de la justice, ou carrément nous parlons de l'état des droits. Et il me semble que la thématique va vers l'état des droits. Il faudra alors se dire, quid de l'état des droits? T'as le droit sans justice. Justice avec l'état de droit. Il n'y a pas de justice sans le droit. Parce que le fondamental, c'est le droit. Et la justice, c'est le fait de faire appliquer le droit. C'est le fait de faire respecter les règles. Voilà un peu ce que nous pouvons donner comme explication assez brève par rapport à nos téléspectateurs. Quel aperçu général faites-vous de la gestion de la justice disons, pendant Kabila et après Kabila? Mais écoutez, comme je l'ai refusé dans la première option, nous ne pouvons pas aller de manière très brute hein, dans une comparaison de périodes. Je vous ai dit qu'il faudra d'abord qu'on puisse définir les fondamentales. Alors, moi, je me livre à cet exercice, bien avant qu'on l'aborde comme une question. D'abord, un, c'est quoi le droit? Le droit, c'est l'ensemble des règles qui organisent une cité, une société. Pour notre cas, un État. Alors, lorsqu'on parle d'État de droit, il faut d'abord que le commun des mortels comprenne qu'est-ce qu'est l'État de droit. Parce que depuis l'avènement du président Tshisekedi au pouvoir, le terme État de droit est devenu le terme fétiche, parce que le combat politique que l'UDEPES, Étienne Tshisekedi Mulumba, poursuivi par ses compagnons après son décès, notamment tous les cadres de l'UDEPES, en tête Félix Tshisekedi, candidat président, qui avait consacré la totalité de son programme sur ce résumé-là, l'état des droits. Nous allons prendre le pouvoir pour instaurer un état de droit. Ben, est-ce qu'il faudrait aujourd'hui connaître une certaine ambivalence entre état de droit et l'avènement de Félix Tshisekedi au pouvoir? Non, on ne peut pas se les permettre. Pourquoi? Parce que l'état de droit, comme je vous ai dit, l'état de droit, c'est une notion plus vieille, hein, plus antérieure à la naissance de la République démocratique du Congo. C'est une notion qui a commencé depuis l'Allemagne, d'après le scientifique. C'est là où, pour la première fois, on a décidé, on a engagé l'État à devenir un État de droit. Et quid de l'État de droit pour que nous comprenions alors tous de quoi il s'agit? L'État de droit, c'est défini comme étant un État qui est l'ensemble d'un système institutionnel dans lesquels la puissance publique et tous les sujets de droit sont soumis de la même manière au droit dans le but de préservation des libertés
et de droits fondamentaux. Vous comprendrez qu'il y a des termes clés dans la définition d'un état de droit. Quels sont ces termes clés? C'est d'abord liberté et droits fondamentaux. On peut donc s'accorder qu'un état de droit, c'est un état dans lequel il y a la protection, la préservation des libertés des citoyens, ainsi que les droits fondamentaux. Ça, c'est une définition, je dirais, classique. C'est une définition classique, mais il y a aussi une définition normative. Celle-là, elle s'est définie tout simplement comme étant l'état de droit, comme étant un état dans lequel les normes juridiques sont hiérarchisées de telle sorte que la puissance publique s'en trouve limitée dans ces modèles. Chaque norme trouve sa validité dans sa conformité à la norme supérieure la plus immédiate. Et dans ce système, tous les citoyens, tous les sujets sont considérés comme étant des égaux. Tout à fait. Alors, le sujet de droit, il faut le comprendre, là, il ne s'agit pas que de citoyens, mais même l'État lui-même est un sujet de droit. Et dans un État de droit, on admet que lorsqu'il faut qu'on puisse dire le droit, et l'État, qui est la puissance publique, et les citoyens, soient considérés comme étant égaux devant un juge. Tout à fait. Au regard des définitions que vous avez données à la réalité congolaise, si on essaie de comparer à la réalité congolaise, est-ce que nous sommes dans un état de droit? La RDC, après le dialogue de Sun City, a pris l'option de rédiger la constitution de sa Troisième République. Et dans cette constitution, contrairement peut-être aux vieilles démocraties, nous avons, nous, pris le soin de définir à partir du deuxième titre de notre constitution, à définir notre pays comme étant un état de droit. Comme je vous ai donné des définitions classiques, nous avons défini et les définitions classiques automatiquement identifient l'état de droit par les deux critères. Donc par la préservation des libertés et ainsi que la préservation de droits fondamentaux. Vous allez comprendre qu'au niveau du titre D de notre constitution, l'article 11, si je ne m'abuse, commence par établir l'égalité de tous devant la loi. L'égalité de tous. Tous les Congolais sont égaux. Tous les Congolais sont égaux. On consacre la liberté. On dit la règle, c'est la liberté. La liberté est la règle. Là, c'est bien libellé dans notre constitution. Vous êtes dans les textes encore. Oui. La liberté est une règle, tandis que la privation de celle-ci, autrement dit, en termes juridiques, la détention est une exception. Alors, vous allez comprendre que l'état des droits a été défini dans les lignes de notre constitution, au niveau du titre 2, au travers des dispositions allant de l'article 11 jusqu'à l'article 17, l'égalité des personnes, la consécration de la liberté de personnes, ainsi que la préservation des droits fondamentaux. Alors, qu'est-ce que nous pouvons face dire à la réalité. Face à la réalité, l'état de droit commence dans notre pays depuis, de manière plus constitutionnelle, de manière plus normative, donc avec la constitution de 2006. Le président Kabila prend pour mission de faire respecter cette constitution en prêtant serment après son élection aux échéances de 2006. Et il applique en premier l'état des droits, parce que tout ce qui a été fait depuis sa prise de pouvoir, tout ce qui a été accompli, a été fait au regard et dans le respect de la Constitution, bien qu'il faut d'une autre façon reconnaître certaines irrégularités, certaines ratées, mais nous avons, en tant qu'État, en tant que société, nous nous sommes décidés dès lors de marcher comme étant un état de droit, si je comprends bien, observant la Constitution. D'accord. Et donc les autres lois régissant la vie publique. Si je vous comprends bien, donc l'état de droit, depuis M. Kabila en 2006, on va dire en 2006, depuis 2006, oui, nous sommes de plein pied dans un état de droit. Nous sommes de plein pied dans un état de droit depuis la promulgation de la Constitution de 2006. Et je viens d'évoquer les dispositions qui sont précises, qui cristallise l'égalité de tous devant la loi, qui consacre les libertés et les droits fondamentaux des citoyens,
ce qui, de manière classique, identifie la République démocratique du Congo dès lors comme étant un état de droit. Et l'exercice de l'application, de l'observation de cette constitution de 2006 a été assuré en premier par le premier président élu, qui est Joseph Kabila Kabange. Et pour continuer, il faut maintenant alors se dire que l'état de droit, est-ce que c'est seulement le fait d'avoir une constitution? Non, l'état de droit, c'est aussi, ou carrément, repose sur trois garanties. Et les garanties d'un état de droit. Oui, il y a ces trois garanties qui sont donc des garanties consacrées, notamment qui sont la hiérarchie des normes, je venais de les citer, de l'évoquer ici, et ensuite l'égalité de tous devant de tous les sujets de droit, et l'indépendance de la justice. L'indépendance de la justice, l'égalité de tous, ça c'est très bien, c'est bien. La hiérarchie des normes, l'égalité de tous les sujets de droit et l'indépendance de la justice. Voilà donc les trois garanties d'un état de droit. Nous sommes dans un état de droit, bien qu'il y a quelques ratés, vous l'avez dit, mais comment expliquez-vous qu'aujourd'hui, il y a toujours ce problème, tout le monde se plaint du fonctionnement de la justice. Vous avez suivi Georges Kapiamba qui s'est plaint récemment de ce procès des gouverneurs qui devrait normalement avoir lieu, n'a pas eu lieu. Et après, on a vu les candidats gouverneurs proclamés dans toutes les entités-là. On va dire qu'on va minimiser ça ou on va se dire vraiment c'est un état de droit, mis à part ces ratés-là. Ce sont des ratés que vous considérez. La novicité entend donc certaines difficultés. L'entame d'un processus. Parce que l'état de droit dans notre pays est un processus que nous pouvons évaluer. Voilà, je vous ai dit, c'est pourquoi on ne peut pas comparer, mais on doit d'abord poser les jalons. Maître Zizamouji, vous êtes en train de parler des trois grands piliers de l'état de droit. Je les appelle les trois garanties d'un état de droit qui doivent être consacrées. C'est donc la hiérarchie des normes, l'égalité de tous les sujets de droit et ensuite l'indépendance de la justice. Vous allez comprendre, quand on dit que notre pays s'est défini comme étant un état de droit à travers sa constitution, vous allez comprendre que ces trois garanties s'y trouvent dans notre constitution, notamment la hiérarchie des normes. Vous allez comprendre que notre constitution a classifié les normes devant diriger notre pays, commençant par les normes constitutionnelles, les traités et conventions internationales, les lois, ensuite les textes réglementaires, tout en considérant les principes généraux du droit. Vous allez comprendre qu'à ces niveaux-là, la garantie, la première garantie étant la hiérarchie des normes, a été observée. Et à travers notre constitution, la deuxième garantie, qui est, comme je l'ai dit, l'égalité de tous les sujets de droit, est aussi consacrée. Dans notre constitution, j'ai donné ici le fondement qui est le titre 2 de notre constitution, à partir de l'article 11 jusqu'aux articles 16-17. Là, la constitution de notre pays s'est mise à consacrer l'égalité de tous les sujets de droit. Et vous allez continuer alors donc au niveau de l'indépendance de la justice. Au niveau des dispositions 165, 160, au-delà, on consacre aussi donc l'indépendance de la justice ainsi que le fonctionnement de notre système judiciaire qui est donc la troisième garantie et la plus indispensable d'un état de droit. Ainsi le système judiciaire. Voilà, l'indépendance de la justice. Vis-à-vis du pouvoir politique. Vis-à-vis du pouvoir politique. Et quand on parle de l'indépendance de la justice en termes de la définition ou de l'identification d'un état de droit, on voit beaucoup plus la séparation des pouvoirs. Car l'état de droit et la séparation des pouvoirs sont univoques. On ne peut pas les dissocier. Quand on parle d'un état de droit, on définit les trois garanties, mais on repose beaucoup plus sur cette garantie qu'il faut beaucoup regarder. Donc, l'indépendance de la justice, sous-entendue par la séparation du pouvoir. Est-ce qu'un État non démocratique peut aussi prévaloir être un État de droit? C'est ce que je devrais donc vous dire de le départ. Un royaume, une monarchie, peut être un État de droit, dans la mesure où il y a la hiérarchie des normes, il y a l'égalité de tous, de tous les sujets de droit, et ensuite la séparation de pouvoir. Mais
C'est différent pour le cas d'une monarchie absolue, mais je parle de monarchie classique. Mais une république démocratique est obligée d'être avant tout un état de droit. Parce que, en termes de principes, en termes de critères politiques, de définition d'une république démocratique, on se réfère à ce que cet état soit avant tout un état de droit. On ne peut pas prétendre être un état démocratique sans être un état de droit. Mais on peut être un état démocratique, un état plutôt de droit, tout en étant pas un état démocratique. Comme le cas des monarchies que je viens ici d'évoquer. Maître Ghislain Mangi, oui. Comment faire la disparité ou la différence entre un état de droit qui est, qui est proclamé, est-ce qu'il est possible de dire qu'on est dans un état de droit proclamé, et dans un état de droit proclamé, mais dont on ne vit pas l'effectivité de cet état de droit-là? Ce qu'il faut refuser, et surtout pas admettre, c'est la proclamation d'un état de droit. Un état de droit ne se décrète pas. Un état de droit s'est construit. Et il s'est construit de quelle façon? Le fait que j'admette pour la République démocratique du Congo d'être un état de droit, c'est parce que je vous évoque de manière prouvée la construction d'un état de droit dans la République démocratique du Congo. Oui. La première pierre, la pierre angulaire, la construction d'un état de droit, c'est le vote ou la promulgation. Le vote par voie de référendum par le souverain primaire et la promulgation par le magistrat suprême de la loi fondamentale qui est la Constitution. Et ensuite, on continue à construire l'état de droit par l'application de la Constitution, l'élaboration de lois qui est de la compétence du pouvoir législatif, ensuite l'exécution des dispositions de la loi fondamentale et de lois par le gouvernement, et par ricochet, l'application ou le respect, l'application de ces lois par les instances, par les pouvoirs judiciaires. Pour notre pays, on n'est plus dans la phase des déclarations. Si on veut déclarer ou se prétendre être état de droit, on doit vérifier à ce que la construction d'un état de droit qui est un processus soit évolutive et qu'on évite à un certain moment de se retrouver dans une sorte d'immobilisme. Ne parler que de ce qui a été fait sous Kabila pour rentrer dans l'idée, dans l'optique comparative que vous avez choisie. Ne regarder que ce qui a été fait sous Kabila, c'est au-delà de la Constitution. C'est plus de 200 lois qui ont été promulguées, élaborées, voté par le Parlement, et ensuite promulgué par les magistrats suprêmes à l'époque, Joseph Kabila. Et c'est plusieurs instances judiciaires qui devraient être créées, notamment, vous vous rappellerez, de la création des juridictions de l'ordre administratif, de l'ordre constitutionnel, ainsi que de l'ordre privé judiciaire. La nomination de plusieurs magistrats, la formation de plusieurs magistrats, les recrutements, et en plus de tout ça, la formation des professionnels de droit. Maître Ghislain Mangi, on peut essayer de dire aussi, on peut essayer de faire, d'appliquer la même science, la même théorie, dans un État dictatorial, un État où il y a une dictature absolue, je ne vais pas citer les cas, est-ce qu'on peut dire dans un État où il y a la dictature qu'il y a État de droit? Non, ça on ne peut pas le dire, nulle part, parce que lorsqu'il y a une dictature, on accuse la violation du droit fondamental. On accuse aux dirigeants ou au régime les capacités à outrepasser les règles générales de droit. Mais il y a des royaumes qui sont des états dictatoriaux. Les royaumes ne sont pas des dictatures. Ça, il faut faire la différence. Les royaumes, ce sont des régimes. Les régimes que choisissent certaines nations. Les régimes de gouvernance qui sont des monarchies. On dit notre pays est un royaume, est une monarchie. On peut être une république. Alors, lorsqu'on est une république, on se dit une république démocratique, on est obligé d'être fondé sur un état de droit. On peut être une monarchie et on est aussi fondé sur un état de droit. L'obligation n'est pas pour une monarchie d'être une république ou carrément d'être une démocratie, mais lorsque les lois sont appliquées, le droit est respecté, ils sont bien évidemment dans la catégorie de ce qui se veut être état de droit. Donc l'état de droit marche de pair avec
liberté fondamentale, la démocratie notamment. L'état de droit repose sur cet aspect de choses de manière inéluctable. La protection, la préservation des libertés et des droits fondamentaux. Un état qui n'a pas de démocratie à l'américaine ou à l'occidentale peut aussi être considéré comme étant un état de droit. Les États-Unis d'Amérique sont une démocratie. Sont une démocratie, seulement ils sont dans un régime présidentiel. Cela n'empêche pas que ce soit un état de droit. Et d'ailleurs, pour modèle, on peut prendre dans le monde les États-Unis comme étant un vrai modèle d'un état de droit, parce que là, vous trouverez les trois garanties définies ici pour un état de droit, notamment la hiérarchie des normes, l'égalité des sujets de droit, et ensuite l'indépendance de la justice. Aux États-Unis, les juges sont indépendants. Est-ce qu'on peut se dire par moment que la liberté des individus outrepasse les limites? Que les droits des individus outrepassent les limites? Dans un état de droit, les citoyens attendent jouir de leurs droits de la manière la plus large possible. Dans un état de droit, leur liberté, elle est non négociable. Cependant, l'État, la puissance publique, est là aussi pour veiller à l'ordre public. Dans la jouissance des libertés de la manière la plus large, mais on ne peut pas compromettre l'ordre public, l'intérêt national. Voilà un peu pourquoi il y a l'encadrement à travers la loi. Mais tout ce qui s'est fait dans un état de droit doit reposer donc sur les normes, notamment de manière hiérarchique, la loi fondamentale, les traités et conventions internationales, les lois du pays, les principes généraux de droit et les actes réglementaires, comme nous les avons cités comme étant la pyramide fondant l'état de droit. Maître Ghislain, la coutume peut-elle être un frein à l'état de droit? La coutume ne peut pas être un frein parce que déjà au départ, c'est qu'il faut admettre, les sociétés traditionnelles, bien qu'étant à l'époque des empires, des monarchies traditionnelles africaines, elles ont été avant tout des états de droit. Parce que vous ne trouverez jamais dans une société africaine ancestrale les gens vivre sans règles. Il y avait des règles, il y avait les respects stricts des règles. Moi, je suis de ceux qui défendent l'authenticité africaine comme étant des sociétés normatives, respectueuses du droit, des libertés bien sûr, mais encadrées par les règles traditionnelles telles qu'elles ont été. Et nous avons trouvé qu'il y a compatibilité entre le droit classique et le droit traditionnel. Maître Ghislain Mwangi, on va maintenant prendre d'autres volets, c'est le volet justice. Parlons particulièrement de notre justice, la justice de la République démocratique du Congo de façon particulière et même toutes les justices de façon du monde. On va essayer de, vous savez, juste parler des lois de la justice qui régissent la justice. Comment on peut définir ou identifier une bonne justice? Comment savoir que cette justice-là fonctionne normalement et celle-là ne fonctionne pas normalement? D'abord, tout se fait au niveau de l'action et du jugement. Il y a Joseph Joubert qui dit « Il faut, quand on agit, se conformer aux règles et quand on juge, avoir regard aux exceptions. » Là, c'est Joseph Joubert qui l'a dit. Dans une société, la justice est là que pour veiller à l'application, au respect strict des droits, des règles. Donc, s'il faut évaluer une société, il faut voir comment fonctionne sa justice. Voilà pourquoi l'indépendance de la justice figure comme troisième garantie d'un état de droit. Comme le cas de notre pays, s'il faut qu'on l'évalue, s'il faut qu'on mette un thermomètre pour évaluer vraiment si la République démocratique du Congo est un état de droit, les pays voisins, la communauté internationale va d'abord regarder les systèmes judiciaires. Première évaluation, est-ce que la justice est indépendante en République démocratique du Congo? Est-ce que le juge, le magistrat congolais, rend le bon droit, ça veut dire les droits qui reposent sur les normes, ou est-ce qu'il y a l'arbitraire? Voilà un peu, en quelque sorte, ce qu'on peut dire de l'administration de la justice. Est-ce qu'en République démocratique du Congo, aujourd'hui, notre justice fonctionne bien?
Il faut reconnaître que nous sommes dans une société qui s'efforme, qui se réforme. Voilà pourquoi vous allez entendre qu'au niveau du Parlement, il y a plusieurs réformes de loi. S'il ne faut pas que nous puissions évoquer seulement la réforme de la loi électorale, mais plusieurs réformes, plusieurs propositions d'ailleurs sont encore dans les tiroirs de bureau de l'Assemblée nationale tout comme du Sénat. Nous sommes dans un processus de matérialisation de l'état de droit. Nous avons une justice qui présente certaines ambiguïtés qu'il ne faut pas nier. Nous avons le devoir, nous, en tant qu'acteurs politiques, en tant que citoyens congolais, à nous évertuer à une autocensure. Évaluer notre système judiciaire. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui ne correspond pas à un véritable état de droit? Parce que, je l'ai évoqué ici, la Constitution consacre la règle générale comme étant la liberté, et la détention comme étant l'exception. Mais dans notre pays, combien de fois nous vivons des arrestations arbitraires, des détentions illégales? Dans notre pays, combien de fois nous constatons que le magistrat misèle la liberté d'expression? Combien de fois de personnes sont arrêtées pour avoir exprimé leur opinion en public? Vous allez comprendre que, des fois, à ces niveaux-là, les difficultés maintenant sont à constater dans le chef de ceux qui sont appelés à dire le droit, donc le magistrat, qui devrait s'évaluer eux-mêmes. Moi, je pense que la corporation devrait songer à des états généraux de justice avec le ministère de la justice. Et je crois qu'avec le parrainage du magistrat suprême, le président de la République, pour que nous puissions évaluer pourquoi il y a toujours de plaintes, laissez-moi finir, pourquoi il y a toujours de plaintes et des constats négatifs par rapport à l'administration de la justice dans notre pays. Quand il y a des bavures, parfois judiciaires, pourquoi est-ce que l'opinion ou certaines personnes attribuent cela au pouvoir politique dans certains pays? Ben écoutez, ce n'est pas pour rien que les scientifiques veulent que l'indépendance de la justice soit une garantie dans un état de droit. Pourquoi cela devrait être une garantie? Parce que Montesquieu le disait, tout détenteur du pouvoir arrive à en abuser. Tout détenteur du pouvoir arrive à en abuser. Il suffit qu'un homme X, Premier ministre, il suffit que tel soit élu président de la République, il suffit qu'on devienne bourgmestre, chef de rue des quartiers, ministre du gouvernement, on se dit qu'on peut marcher en dehors de la loi. Je vais vous donner un exemple un peu plus pratique. En venant ici, sur mon chemin, je suis arrivé au niveau de Carrefour. Heureusement, c'était à Kitambo vers Comorico, croisement l'avenue Comorico et l'avenue de l'OIA. Et nous étions sur le feu rouge. Nous avons stoppé pour que l'axe prioritaire puisse passer. Mais il y a eu un cortège d'au moins 4 pick-up, 4 pick-up, 4 jeeps d'un cadre du pays. Je ne sais pas qu'il est de l'armée, du gouvernement ou d'où, parce que déjà c'est fumé. Les plaques sont aussi bâchées, masquées. Ils sont venus, ils n'ont pas respecté le feu de route, ils n'ont pas considéré l'agent de police de circulation routière. Ils ont foncé droit. Ceux qui avaient priorité devraient s'arrêter pour que les cortèges passent. Est-ce que dans un état de droit, on peut vivre cela? Les respects des normes, parce que vous avez dit, dans un état de droit, c'est le respect des normes. Si cette autorité respecte la Constitution, elle doit savoir qu'il y a une hiérarchie des normes. On respecte, c'est une pyramide. On commence par respecter les normes les plus inférieures, par les actes réglementaires. Le code de la route, est-ce qu'on les respecte dans ces pays? Il y a des magistrats qui sont censés dire le droit, qui ne respectent pas le code de la route, soit parce qu'ils sont de hauts magistrats, ils ont des priorités, ils ont peut-être un cortège qui passe à sens unique. Vous avez entendu dans notre société d'ailleurs de grandes personnalités politiques se heurter juste pour un problème de respect du code de la route. Donc, les acteurs politiques dans notre pays sont le premier frein ou carrément le premier perturbateur du système ou carrément du processus de l'état des droits dans notre pays. Parce qu'ils ont difficulté, en tant que détenteurs du pouvoir à une certaine période, à observer de manière stricte les normes, commençant par les normes inférieures jusqu'à la loi. Est-ce que la justice peut être utilisée comme étant un outil de règlement des comptes entre politiques? Bien évidemment, dans une société où il y a les hommes, parce que les latinistes le disent, ubi homo, ubi malus. Montesquieu l'a dit, je viens de l'évoquer, détenteur du pouvoir, il tentait toujours d'en abuser. Lorsqu'on est nommé à une fonction assez influenceuse,
ou influente. On s'est dit, d'accord, je vais désormais demander des services arbitraires à un magistrat, je vais essayer d'inféroder les magistrats. Voilà pourquoi, pour renforcer l'indépendance de la justice, il avait été instauré dans ce pays les conseils supérieurs de la magistrature. Il a été, à travers deux lois organiques, régi comment devraient fonctionner les instances judiciaires. Chaque instance judiciaire a une loi organique et elle fonctionne au regard de cette loi. Mais cependant, les présentateurs politiques n'arrêtent pas d'embrouiller, n'arrêtent pas d'empêcher la bonne administration de la justice. Voilà pourquoi il est de la responsabilité du magistrat suprême, du président de la République, d'abord de parachever cette œuvre qui a débuté avec Joseph Kabila, parce qu'aujourd'hui, vous étiez dans l'optique comparative, parce qu'aujourd'hui, c'est le président Tshisekedi qui est le garant du bon fonctionnement des institutions. C'est à lui maintenant de parachever cette œuvre de la mise en œuvre d'un véritable état de droit qui, selon notre analyse, souffre encore aujourd'hui à être vraiment concrétisé. Cela souffre à être concrétisé. Par où il faut commencer, Maître Ghislain Mwangi? Il faut commencer, parce que je vous ai dit, on construit, un état de droit s'est construit. Il faut commencer par, d'abord, s'il faut voir que le secteur de la justice, il faut commencer par faire les états généraux de la justice. Il y a des tribunaux. Parce que depuis là, on n'a pas fait les états généraux de la justice. Au-delà des conflits judiciaires ou des conflits de compétences au sein des grandes institutions ou entre les grandes institutions, il y a une réalité. Nos populations dans les localités, nos populations dans les chefferies n'ont pas de juges. Il y a une justice populaire qui s'est faite soit dans une localité là-bas à l'intérieur du pays, il n'y a pas de juges. Il y a des endroits où on a mité des magistrats et qui ne sont jamais allés. Mais avec les nombres de licenciés en droit, des docteurs en droit que nous avons au Congo, quelle université Kinshasa produit, que l'UPC produit, comment expliquer cela? Pour ne pas martyriser nos magistrats, il faut d'abord plaider leur cause. Parce que si nous voulons avoir une bonne justice, il faut valoriser ces personnes que vous venez d'évoquer ici. Tous les licenciés en droit, tous les avocats, tous les magistrats dans notre pays aujourd'hui demandent juste d'être valorisés. La première valorisation d'abord des magistrats, c'est une bonne rémunération, des bonnes conditions de travail. Moi, j'ai fait quelques provinces dans notre pays. Certains tribunaux n'ont pas des bâtiments. C'est sous les arbres, là-bas à l'Équateur, qu'on dit les droits. En plein 21e siècle. Il n'y a pas de cachot pour peut-être détenir certains prévenus par besoin. Il n'y a pas de bonnes conditions de détention, même là où on a construit des cachots qui sont encore de l'époque coloniale ou qui datent de plus de 20 ans. Il n'y a pas de bancs dans certaines salles d'audience dans les grandes villes de ces pays. Et quelle est la rémunération du magistrat aujourd'hui? S'il faut admettre bien sûr qu'il y a eu une amélioration avec l'actuel régime. Mais je pense que ça ne suffit pas s'il faut comparer à l'augmentation des salaires, des avantages que les députés nationaux se sont taillés eux-mêmes, que les administrés de la présidence, par exemple, ont obtenu, nous l'avons entendu au travers les déclarations de M. Vital Kamerhe, directeur des cabinets de chef de l'État, dans le procès son jour. Il a dit qu'il avait augmenté les rémunérations. Vous allez comprendre que comparativement aux magistrats, qui doivent dire le droit, il y a vraiment décalage et nous pouvons encore souffrir des difficultés pour que ces derniers puissent dire le bon droit ou administrer la justice comme il faut dans ce pays. Je plaide pour nos magistrats et je souhaite que nous ne puissions pas condamner ces derniers si ils subissent les influences des détenteurs du pouvoir politique qui ont plus de lucre, qui ont plus de rémunération, qui peuvent d'une manière ou d'une autre tenter de corrompre ou carrément de manipuler les fonctionnements de la justice. Ils sont corruptibles, ils sont humains. C'est tout à fait normal. Voilà pourquoi il faut le préserver, parce que vous l'avez dit, il faut le préserver avec des lois, parce que nous avons évoqué l'aspect de la rémunération. Il faut voir, en faisant les états généraux de droit, revoir qu'est-ce qu'il faut arranger au travers les tests, le loi, notamment les lois organiques. Il y a eu chevauchement de compétences peut-être voulu par le Conseil d'État récemment dans le domaine des contentieux électoraux entre le Conseil d'État et la Cour constitutionnelle, parce que, conformément à la loi électorale, le Conseil d'État n'est pas cité de manière expressive comme étant
une juridiction compétente à connaître des matières de contentieux électoraux, mais le Conseil d'État s'est toujours invité dans ces domaines. Il y a eu un arrêt rendu récemment par la Cour constitutionnelle réquisant cet interventionnisme du Conseil d'État. Il y a eu d'ailleurs un recadrage encore du procureur général près de la Cour constitutionnelle. Vous allez comprendre que nous avons d'abord un problème normatif qu'il faut voir. Les cadres juridiques demandent les états généraux de droit et que de la justice, et que ensuite qu'il y ait des propositions soit au niveau du gouvernement au travers du ministère de la justice, ou soit qu'il y ait des projets ou des propositions au niveau du parlement, Maître pour Justin. Que nous ayons des lois plus assainissant le secteur de la justice. On va rester sur la justice, sur ce volet justice. L'ancienne Cour suprême a été éclatée en trois, Cour constitutionnelle, Conseil d'État et Cour de cassation. Maître Ghislain Moigy, quelle est la juridiction qu'on peut considérer aujourd'hui comme étant suprême par rapport à tout, par rapport à cela? Il y a dans notre pays ce qu'on appelle les degrés des juridictions. Okay. Les degrés des juridictions, en dehors des degrés des juridictions, il y a la répartition des juridictions, ce qu'on appelle les ordres des juridictions. Comme je l'ai dit, quand on a éclaté la Cour suprême de qui était la juridiction, la haute juridiction du pays, oui. On l'a scindée en trois ordres. Tout à fait. Il y a la juridiction de l'ordre constitutionnel qui est la Cour constitutionnelle, qui, à partir de la Constitution, connaît déjà ses prérogatives ou carrément ses compétences, oui. Qui est appelé à connaître du fonctionnement de l'État, à connaître les contentieux électoraux, à valider les résultats des élections présidentielles et législatives, à connaître le recours en cadre de contestation et d'autres compétences qui sont reconnues. Là, c'est la Cour constitutionnelle. Il y a le Conseil d'État qui est comme étant la haute juridiction en termes de juridiction de l'ordre administratif, qui est le Conseil d'État. Là, c'est à connaître les différends entre les administrés, entre les entités administratives de l'État. Et il y a la juridiction de l'ordre judiciaire, qui est la Cour de cassation, qui est habilitée, qui a compétence à connaître le dossier ou carrément le question de l'ordre judiciaire. Donc, voilà un peu l'éclatement, c'est que l'éclatement a permis que nous puissions avoir, et dans l'ordre, dans les différents ordres, chaque haute juridiction juge de ses compétences et il y a aussi le respect des compétences de l'une des juridictions tout comme de l'autre. Il n'y a pas à dire qu'il y a une juridiction qui soit supérieure à l'autre. Quand on dit les arrêts de la Cour constitutionnelle sont irrévocables, immédiatement applicables, là, ça n'accorde pas de respect. C'est là où je voudrais ici maintenant parler de degrés. Lorsque on est au premier degré, on connaît une décision de justice qui est notamment un jugement. Lorsqu'on la conteste, on part en appel, on est au second degré, on connaît un arrêt qui est toujours susceptible des cassations, parce que le jugement, le recours, c'est vous allez au niveau de l'appel, c'est le deuxième degré, et puis ensuite, vous pouvez aller au niveau de la cassation lorsque vous trouvez que votre procès n'a pas été équitable ou carrément que vous aurez relevé certaines exceptions. Mais il y a aussi, parce que nous parlons d'état des droits, il y a aussi la Cour constitutionnelle qui est compétente à connaître des recours pour des cas d'inconstitutionnalité. Dans un procès, il peut y avoir un déroulement ou carrément un cas, une décision qui serait frappée d'inconstitutionnalité, et la voie de recours pour une telle situation, c'est ou carrément l'organe compétente, c'est la Cour constitutionnelle. Maître Ghislain Moigy, j'ai toujours une question qui me revient souvent à l'esprit chaque fois que je suis dans une émission à caractère judiciaire, c'est la question de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. Matata Ponyo qui aujourd'hui poursuivi dans le cadre de détournement des fonds alloués au projet au parc agro-industriel de Bukangalonzo. On va le juger en tant qu'ancien Premier ministre. Je ne sais pas si la Constitution déjà établi des juridictions qui peuvent juger les anciens Premiers ministres. Est-ce qu'il peut être jugé comme sénateur ou bien
comme tout citoyen, dans cette difficulté de comprendre. L'affaire Augustin Matata-Ponyo sème la confusion jusqu'à aujourd'hui dans les chefs de plusieurs experts en droit. Nous allons livrer notre voix en tant que juristes et par rapport à notre analyse. De manière pratique, la Constitution est très claire. La Cour constitutionnelle connaît les infractions au pénal du président de la République et du Premier ministre en fonction. Voilà. Là, c'est tout à fait défini, clair. Alors, comme je vous ai dit, il faut considérer la hiérarchie des normes. Mais avec la loi portant statut des anciens chefs d'État, chefs de gouvernement, anciens chefs des corps constitués, qui confère certaines considérations aux anciens dirigeants, dispose de la possibilité de rappeler devant le juge compétent à l'époque de la commission de l'infraction le prévenu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, selon notre entendement, la Cour constitutionnelle pouvait que se fonder sur la loi portant statut d'ancien chef d'État, ancien Premier ministre, ancien chef de corps constitué, pour pouvoir connaître devant elle les questions liées au projet ou carrément au parc agro-industriel de Bukangalozo qui poursuit M. Augustin Matata-Ponyo. Ça, c'est tout à fait clair. Bon, il y a eu un arrêt rendu lors du président qui vient de partir, Dieudonné Kaluba, qui, selon lui, a déclaré que la Cour était incompétente à connaître de cela. C'est là la confusion, d'ailleurs, que je vous dis, qui existe aujourd'hui dans les chefs de plusieurs constitutionnalistes et plusieurs experts en droit. Cependant, en tant que sénateur, même si la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente, en tant que sénateur, ancien Premier ministre, M. Matata-Ponyo, peut être encore poursuivi, et d'ailleurs c'est le cas, il y a eu fixation de l'audience devant la Cour de cassation. Là, en tant que sénateur. En tant que sénateur, et je pense que le débat sur, ou carrément la confusion, la polémique sur la compétence ou pas de la Cour constitutionnelle, on peut la mettre de côté, mais le fait reste là, les rapports de l'IGF restent là. Monsieur Matata-Ponyo devrait, en tant que citoyen, parce que lui-même il avait dit, il s'assume, répondre des faits qui lui sont reprochés par la justice devant la Cour constitutionnelle en tant que sénateur. Maître Ghislain Mongi, on est en train de chuter lentement mais sûrement. La justice, ce n'est pas qu'une question d'hommes puissants, c'est aussi une question de personnes, petit peuple, des personnes qui sont des inconnus du grand public. Maître Ghislain Mongi, aujourd'hui, les gens ne connaissent pas leurs droits. Les Congolais ne connaissent pas leurs droits. Si quelqu'un est en face d'un problème, par exemple de vol, de menaces, d'insultes, quelles sont les juridictions les plus proches ou les plus habilitées à un citoyen pour qu'il puisse revendiquer ses droits? Mais tout dépend de sujet des droits, parce que tout part des sujets de droits. Lorsque vous êtes face à un citoyen, n'importe lequel, vous avez dans chaque juridiction, un magistrat debout, qu'on appelle le magistrat du parquet, qui est là pour acter les plaintes et ensuite appliquer le droit s'il le faut, inviter les concernés, convoquer s'il le faut, appliquer la procédure judiciaire possible. Et je pense Il faut aller au parquet. Il faut aller au parquet. Et ça s'appelle le parquet de grande instance. C'est le parquet près des tribunaux de grande instance. Vous comprenez? Alors, à ce niveau-là aussi, il faut considérer maintenant qu'il existe un tribunal de paix pour de faits à caractère civil. Au lieu que vous puissiez aller chez un magistrat, vous pouvez carrément aller en citation directe devant les tribunaux pour que vous puissiez réclamer justice vis-à-vis d'un certain cas. Mais dans tous les cas, ce qui est très important, c'est qu'il faut aller chez un magistrat, parce que celui-là, en tant que connaisseur du droit, en tant que magistrat, pourrait donc fixer viser votre plainte pour dire, écoutez, après instruction, je vous envoie soit au tribunal de paix, soit au tribunal de grande instance, pour que le juge puisse dire le droit. Maître Justin... Ça dépend aussi, il faut le dire, par rapport à certaines
par rapport à certaines casquettes, par rapport à certaines fonctions, certaines personnalités, juste ce qu'on appelle les privilèges des juridictions. Notamment si vous avez un problème avec un gouverneur, vous devez carrément directement aller devant le parquet général. Si vous avez un problème avec un député national, un ministre au gouvernement, vous devez carrément directement aller au niveau du parquet général près la cour des cassations. Si vous avez un problème avec le premier ministre en fonction ou le président de la République, il faut directement aller au parquet général près la cour constitutionnelle. Maître Ghislain Moigy, on est à la fin de l'émission, une dernière question. Vous avez suivi l'affaire Caméré. Aujourd'hui, il est acquitté. Et tous ses co-accusés sont aussi acquittés. Un mot par rapport à ça? Ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, le juge s'est prononcé après que la décision rendue par le premier juge soit cassée, et que l'affaire avait été renvoyée pour qu'elle soit jugée par le second juge. Ce qui est dit aujourd'hui, c'est comme ce qui avait été dit par le premier juge, c'est une décision de justice, premièrement, ce qu'il faut dire. Alors, du point de vue maintenant des analyses, c'est qu'il faut dire, est-ce qu'il s'agit d'une réparation? Est-ce qu'il s'agit d'un procès qui, après des longs feuilletons, termine par la vraie vérité ou par une décision critiquée par certains comme étant celle qui émane des présenteurs politiques? Ça, il faut le mettre entre guillemets. Mais ce qui est plus important est que nous avons suivi dans ce pays les procès sans jour. Monsieur Vital Caméré a respecté la justice de notre pays. Les magistrats de ces pays ont agi en tant que tel dans un état de droit. Nous avons donné une leçon en tant qu'état de droit à plusieurs nations dans le monde. Notre société va arrêter. Un directeur de cabinet en fonction. Un directeur de cabinet du chef de l'État en fonction, c'est une première, a accepté d'être traîné en justice pour des accusations, a écopé la condamnation du premier juge et il a suivi la procédure judiciaire telle qu'il le faut au niveau de la cassation. Il a fait appel, on a confirmé la peine. Au niveau de la cassation, on a cassé et on a demandé que l'affaire soit réjugée. Et le fait qu'aujourd'hui, qu'il soit acquitté, ne devrait être que l'aboutissement d'un processus judiciaire qui démontre que nous sommes dans un état de droit au-delà des commentaires des personnes qui sont accoutumées à la polémique, peut-être pour des raisons politiciennes. Maître Ghislain Moigy, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie, tout le plaisir a été pour moi. On a eu un bon débat. Merci beaucoup, maître, surtout votre intervention qui est très pointue, très scientifique, très, très, très fouillée. Merci à Congobeuse, merci à vous, Dan. Merci beaucoup, maître Ghislain Moigy. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis ce numéro d'Entre les lignes avec maître Ghislain Moigy. On l'a reçu surtout dans sa qualité de juriste, hein. Justement, cette question. Donc, on vous dit au revoir, à la prochaine, avec le même plaisir, sur Congo Buzz Télévision, votre chaîne qui vous accompagne toujours. Au revoir.